Kharkiv est la deuxième plus grande ville d'Ukraine en superficie. Dans les années 30, Kharkiv fut la capitale de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Située au nord-est du pays, cette ville est la capitale administrative de la région historique Slobozhenchina avec la population d'1,5 million d'habitants. Kharkiv, c'est le plus grand centre industriel et économique avec un vaste réseau de transport, un trésor intellectuel et scientifique avec beaucoup d'instituts de recherche, un nid universitaire avec un grand nombre d'établissements supérieurs. L'avion M-125 s'appelle Mriya, qui signifie en ukrainien le rêve, est le plus grand avion sur la planète. Cet avion, la fierté de la construction aéronautique, établit 110 records en aviation, a été créé en Ukraine par le constructeur Oleg Antonov, professeur, chef du département de construction des avions à l'Université nationale de l'aéronautique et de l'espace, KAI. L'Université nationale de l'aéronautique et de l'espace, KAI, est la plus ancienne école supérieure en Europe dans le domaine aérospatial. À l'heure actuelle, les représentants venus de plus de 50 pays du monde y font leurs études. De nos jours, l'Université nationale de l'aéronautique et de l'espace, KAI, est l'établissement supérieur unique en Ukraine avec le quatrième, le plus haut niveau de l'accrédition, qui a pour mission de former des ingénieurs dans les domaines aéronautique et spatial, conduire des travaux de recherche scientifique et de développement technologique, dispenser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, assurer des formations doctorales et délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master. L'université fait la formation complète du personnel en design et en fabrication de toutes sortes d'appareils aériens, de machines, de moteurs d'avions et de fusées, d'équipements électroniques. À l'université, près de 9000 étudiants font leurs études en 8 facultés et en 44 départements qui proposent 37 spécialisations en anglais, en ukrainien et en russe. À la base de l'université fonctionnent plus de 20 écoles de recherche scientifique. La date officielle de la fondation de KAI est 1930. Mais en fait, l'histoire de l'université a commencé en 1909, 6 ans après le premier vol de l'homme. En 1909, à Kharkiv, a été ouvert le premier atelier aérien avec le professeur Proskoura, futur académicien et fondateur de KAI à la tête. Alors, l'histoire de KAI, la plus ancienne école supérieure aérospatiale, c'est l'histoire de l'aviation et de l'aéronautique du monde. En 1932, à KAI, a été créé un avion avec le châssis rétractable. C'était le premier avion de passagers de ce type en Europe et le second dans le monde qui était appelé KAI-1. Des planeurs extraordinaires, l'avion éclaireur KAI-6, le bombardier KAI-5 P-10, les avions de petite aviation qui sont entrés dans des encyclopédies mondiales aéronautiques, tout cela est le travail fondamental des professeurs et des étudiants de KAI. Depuis son existence, l'université a préparé plus de 65 000 de spécialistes qualifiés et continue de le faire. Parmi ceux-ci, il y a plus de 600 directeurs des usines, chefs des compagnies, ingénieurs en chef, chefs designers, technologues en chef, près de 1800 docteurs en sciences. Les anciens étudiants de l'université ont pris une part active dans l'exploration de l'espace. Le premier satellite spatial, le premier cosmonaute, la navette spatiale Buran, le projet international de lancement maritime, ce n'est pas la liste complète d'événements où participaient les professionnels diplômés de KAI. En avril 2008, la 17e expédition de la Station spatiale internationale a commencé son travail.
L'un des membres de l'équipage était Oleg Kononenko, qui a fini le CAI. Pendant 6 mois, il a travaillé à bord de la station spatiale et a fait 2 sorties dans l'espace. Les caractéristiques particulières de l'université, c'est son ambiance de créativité, d'invention, d'innovation, de partenariat et de camaraderie. C'est ce qui glorifie le CAI et le fait célèbre en Ukraine et bien loin de ses frontières toutes les années. La formation des ingénieurs est étroitement liée avec les connaissances pratiques et les compétences en design, en fabrication et en maintenance des appareils aéronautiques. L'attraction principale de l'université, c'est le laboratoire aérodynamique unique où on effectue des expériences à des vitesses de vol subsoniques et supersoniques pour tester diverses pièces et assemblages d'aéronefs. À la disposition des étudiants, il y a une grande bibliothèque avec plus d'un million de livres et des salles de lecture bien équipées. L'université prête une grande attention au sport. Terrain sportif, salle de musculation, piscine, arène sportive se trouvent sur le territoire universitaire. En 2012, l'étudiant de CAI Alexei Toroktiy a gagné la médaille d'or au concours olympique d'haltérophilie. Le CAI est riche en ses traditions dans la vie scientifique et sociale. Les principaux héritiers, gardiens et continuateurs de ces glorieuses traditions sont les étudiants. La fête la plus populaire parmi les étudiants, c'est la journée de CAI. Devant les tribunes décorées où sont placés les dirigeants de l'université et les hôtes, passent des colonnes de professeurs et d'étudiants qui portent des ballons multicolores et des fleurs. Bonjour, je m'appelle Abbas Mohamed, je suis un élève en Ukraine. J'étudie à l'université de construction des aéronefs. J'ai choisi cette université parce que c'est une bonne université. Il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup de bons professeurs. Merci. Je m'appelle Ahmed Salim Mohamed. J'ai fait mes études à l'université de l'aérospatiale à Kharkiv. Je suis très content d'être ici en Kharkiv. Les gens sont très gentils. Je veux à cette occasion passer un message à tous les étudiants du monde que Kharkiv de l'Ukraine est très gentil, très belle ville. Les gens sont très gentils et heureux. Merci. Salut tout le monde, je m'appelle Hamza, je suis un étudiant en Ukraine à l'université aérospatiale à Kharkiv. Si vous voulez faire votre études en Ukraine, je vous conseille à cette université parce qu'il y a beaucoup de filières et beaucoup de spécialités ici. Il y a des bons professeurs et vous pouvez profiter des laboratoires et des bibliothèques. Et merci à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Mohamed Abdallah Elabat, je suis étudiant en 5e année à la faculté des systèmes d'ingénierie radio-aéronef à l'université aérospatiale de Kharkiv. J'ai choisi cette université tout simplement parce que c'est une université très populaire et qui a une bonne réputation dans mon pays et dans le monde entier. Donc j'ai vu que c'est le bon endroit pour que je puisse accomplir mon BMRF. Merci. Choisir sa future profession, c'est choisir son avenir. Faire le choix parmi des milliers de propositions, c'est toujours difficile. Mais si vous voulez devenir l'élite de l'ingénierie et apprendre à fond les principales professions du troisième millénaire, soyez les bienvenus à l'Université nationale de l'aéronautique et de l'espace, CAI.